What a marvelous God. Quel Dieu merveilleux. Nous aimons témoigner des choses que Dieu fait. Des choses différentes, variées. Les trois témoignages que nous avons entendus sont très variés. Et j'aime la variété des témoignages. Parce que cela montre la variété de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quel que soit l'endroit où nous sommes, Dieu a quelque chose à faire en nous. Alléluia. Quelque chose à faire en nous, quelque chose à faire pour nous. Et j'ai une parole pour quelqu'un qui s'appelle Clotilde. Le Seigneur dit, le combat est fini. Amen. Le combat est terminé. Amen. Hey! Amen. Vous pouvez saisir pour vous. Amen. Vous pouvez saisir pour vous. Amen. Parfois, une parole est donnée pour une personne. La personne à qui la parole a été donnée n'a pas honoré. Mais quelqu'un d'autre qui est là dit, ah Seigneur, moi aussi je saisis, et la personne reçoit et s'est manifestée dans sa vie. Allez, Bazoko. Ce sont les gens qui n'ont pas de compréhension des voies de Dieu, qui repartent tristes d'une réunion parce qu'on n'a pas appelé mon nom. On n'a pas besoin d'appeler votre nom. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous sommes reconnaissants pour toutes les choses que Dieu fait au milieu de nous. Les témoignages en continu. Il enlève les barrières. Amen. Si vous êtes connecté avec ce témoignage, les barrières tombent pour vous. Aujourd'hui même, les barrières, quelles qu'elles soient, Amen. Vous n'allez pas passer à côté de votre destinée parce que les choses ordinaires vous paraissent trop compliquées. Amen. Beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils regardent les choses qui pourtant sont faisables et pensent que oui, mais c'est difficile, c'est compliqué, pourquoi on me demande ça? C'est tellement compliqué. Non, on vous demande ça parce que vous avez la capacité. Amen. Vous ne le savez pas encore, mais vous l'avez. Alléluia. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Et vous avez un Dieu qui est l'auteur de la capacité. Le Dieu qui nous a façonnés, qui est capable de transformer tout et nous donner tout ce dont nous avons besoin pour exceller. Vous allez exceller en 2020. Au nom de Jésus. Je mets toujours le peuple de Dieu au défi pour exceller. Nous ne sommes pas un peuple de médiocres. Nous avons le Dieu qui est l'auteur de l'excellence. Il accomplit merveilleusement toutes choses. La rédemption, c'est une œuvre maître. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il a exécuté avec finesse et avec perfection. De telle sorte qu'aucun démon ne peut contester. Vous vous rendez compte? Si Satan pouvait contester votre salut, il le ferait. Mais Dieu n'a pas laissé de lacunes. Il a tout accompli parfaitement et merveilleusement. Alléluia. Donc n'importe quel enfant de Dieu, né de nouveau, il y a une seconde, peut maintenant se retourner contre le diable et dire au nom de Jésus. Et il est obligé d'obéir. Dieu exécute parfaitement ses œuvres. Et il exécute parfaitement ses œuvres dans votre vie si vous coopérez avec lui. Alléluia. Toute médiocrité vous quitte. Amen. Nous sommes un peuple fait pour exceller. Amen. En toutes choses. Je déclare sur vous qu'en 2020, vous allez exceller. Amen. Alléluia. Il faut accepter la parole que Dieu nous donne. Dans le témoignage de Olive, elle a partagé comment elle a eu l'enseignement. Au travail, elle a eu un autre comportement. Après, à l'heure du déjeuner, elle était allée réécouter l'enseignement. Elle a décidé de l'appliquer. Et immédiatement, elle a vu les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Mais je peux vous assurer que si Dieu va faire quelque chose de grand avec votre vie, il doit d'abord vous travailler en profondeur. Gloire à Dieu. Et le moment où Dieu vous travaille en profondeur, ce ne sont pas des moments de tristesse. C'est parce qu'il vous prépare pour quelque chose. Quand Dieu commence à vous travailler, bien témoigner comment Dieu l'a travaillé toute cette année passée. À un moment donné, après le cours, je dis, mais j'avais l'impression que tu pleurais pendant le cours. Pourquoi? Le Seigneur me travaille. Wow, glory to God. Mais ce sont de bonnes larmes parce que ce sont des larmes de transformation. Quand Dieu veut vous amener au niveau supérieur, il va vous travailler. Alléluia. Il va vous travailler. S'il ne vous travaille jamais, c'est inquiétant. Mais quand il vous travaille, c'est parce qu'il croit en vous. Il croit en sa capacité de vous transformer. God is a good God. Merveilleux témoignage. Si vous êtes ici aujourd'hui et qu'il y a la division dans votre famille, faites confiance au Seigneur pour restaurer. Alléluia. Faites confiance au Seigneur pour restaurer. Et ne méprisez pas la parole prophétique. Ma fille témoignait, elle dit, chef pasteur, lui dit, reçois l'amour du Père. Est-ce que pasteur sait? Non, c'est Dieu qui sait. N'est-ce pas? C'est Dieu qui sait. Il savait ce qu'il préparait. Il savait ce qu'il voulait faire. Il préparait son cœur. Il ne se rendait pas compte, mais il préparait déjà son cœur. C'est pour ça que tout d'un coup, elle peut passer de monsieur mon père à papa. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait semé des choses en elle. Déposé, parole après parole, il déposait des choses en elle. Et un jour, comme ça. Et ce qui devait être une catastrophe, une tragédie monumentale que Satan avait préparée, Dieu l'a utilisée pour amener une restauration. Amen. Recevez une restauration dans votre vie, amen, dans votre famille, amen, dans vos relations. S'il y a des enfants ici qui ont besoin de l'amour de leur papa, que la main de l'Éternel vienne sur vous, amen, et sur votre père, sur votre mère. Amen. Que cette année 2020, vous ayez un témoignage de joie. Amen. Alléluia. C'est pas juste, oui, mon père et moi, on ne s'est jamais entendu. Elle n'a jamais eu de relation avec son père. Le monsieur ne s'est jamais intéressé pour dire, je veux développer une relation avec ma fille. Et Dieu. Amen. Et Dieu. Amen. Et Dieu. Amen. Et Dieu. Amen. Il y a même quelque chose qu'elle n'a pas dit, mais le père lui-même a demandé, il faut qu'on soit proche, ou quelque chose dans ce genre. Le même qu'elle était allée voir. Quand je dis, il faut que tu ailles voir son père. D'accord, par obéissance. Elle est revenue me dit, bon, je suis allée le voir, hein, mais bon. Elle aurait pu dire, pasteur, fausse prophétesse, c'est ça. Elle m'a dit d'aller voir mon père, rien s'est passé. Mais Dieu, Dieu a un processus. Amen. Dieu a un processus. Le processus de Dieu se déclenche dans votre vie. Amen. Dans tous les domaines, il va accomplir sa parfaite volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants. Cette journée est une journée d'action de grâce. Nous allons beaucoup dire merci Seigneur. Et ça va nous préparer pour une année de reconnaissance. Gloire à Dieu. Et regardez avec moi dans le psaume 100. Quand je demandais au Seigneur, cette journée, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur m'a dit des actions de grâce. Vous allez apprendre à me remercier. Alléluia. Et Dieu va opérer dans nos cœurs. Il va enlever la dureté. Il va enlever l'indifférence. Il va enlever le manque de sensibilité. Quelqu'un va commencer à voir l'œuvre de Dieu dans sa vie comme jamais auparavant. Alléluia. Les choses que vous prenez pour acquises, tout d'un coup, vont devenir énormes à vos yeux. Vous allez être là, papa, merci. Ah, le psaume 100 nous dit ceci. Thank you, Holy Spirit. Yes, sir. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec... Entrez dans ses portes avec... Reconnaissance. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Dites éternellement. Éternellement. Sa bonté dure éternellement. Éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. Voilà déjà des raisons pour lesquelles nous devons le remercier en continu. Et vous savez, il n'y a que Dieu que vous pouvez évoquer de cette manière-là. Pour dire sa bonté dure éternellement. Beaucoup d'entre nous, nous avons épuisé la bonté des êtres humains. N'est-ce pas? Nous avions un capital de bonté. Au bout d'un moment, nous nous sommes rendus compte que cette bonté semble s'être épuisée. Nous disions, mais avant, tu n'étais pas comme ça avec moi. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui a changé? Oui, mais tu sais, hein, on a compris que, oups, la bonté s'est épuisée. Mais la bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel. Alléluia. La mission que le Seigneur m'a donnée cet après-midi, c'est provoquer la reconnaissance dans le cœur de quelqu'un. À la fois par l'explication des raisons pour lesquelles nous sommes censés le remercier. Et aussi par la puissance du Saint-Esprit qui est communiquée et qui brise les choses dans nos vies qui nous empêchent d'être reconnaissants. Il se passe quelque chose de surnaturel. Quand tout d'un coup, ce que nous avions toujours vu, qui ne nous semblait pas être énorme, devient énorme à nos yeux. Et que nous sommes là comme ébahis devant Dieu. Mais tu as fait ça pour moi? Tu as fait ça pour moi? Ce sera le témoignage de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'ingratitude. Nous n'aurons pas le temps d'aller sur les conséquences de l'ingratitude. Nous allons les évoquer, Dieu voulant, ce dimanche. Les conséquences de l'ingratitude. Parce que c'est important pour nous en tant que chrétiens de savoir que beaucoup des choses que nous vivons dans nos vies sont le résultat de notre ingratitude vis-à-vis du Seigneur. Déjà, vous le voyez avec les êtres humains quand vous êtes ingrats. Et ils sont volontaires, ils vous aident. Après, quand vous retournez, tout d'un coup, les portes sont fermées. Vous avez même l'impression qu'ils ne vous ont jamais vu. Oui, 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 plaît-il. Et vous dites, oui, mais c'est moi, en tel. Oui. Et la porte est fermée. Parce que nous avons été ingrats. Là où il y avait une ouverture en amour, il n'y avait pas d'ombre, tout coulait bien dans cette relation. Tout d'un coup, la relation change. Elle change. Il y a comme des murs invisibles qui s'installent entre vous et la personne. Et pourquoi? Parce que vous avez été ingrat. Et que quelque part, dans le cœur de la personne, est venue une indifférence vis-à-vis de vous. Et vis-à-vis de vos situations. Vous êtes étonné parce que quelqu'un qui avant, vous lui aurez dit, ben écoute, je dois faire un voyage. Ah oui, tu dois faire un voyage? Ah non, il faut qu'on s'occupe de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Tout donc ça, ah ok, bon écoute, bon voyage. Hein. Et vous partez, il dit, mais j'ai l'impression, la personne ne m'a pas craché au nez, elle m'a rien fait, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Dans notre relation avec le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous vivons ce genre d'impression. On disait, mais Seigneur, avant j'ai l'impression qu'on était plus intime. Et maintenant j'ai l'impression qu'il faut prier plus, je ne sens plus tellement la même chose. Est-ce que c'est possible que le problème soit notre ingratitude? Qu'il a fait des choses pour nous. Et il attendait un comportement de notre part, en guise de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous n'avons pas eu ce comportement. Et non seulement nous n'avons pas remercié, mais nous avons choisi de faire des choses qui ne lui étaient pas agréables, de faire des choix qui nous arrangeaient, mais qui n'allaient pas dans le sens de ce que le Seigneur voulait pour nous. Et ensuite, après, nous demandons encore la prière, mais les choses ne se passent pas aussi simplement qu'avant, parce que nous avons été ingrats. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de l'ingratitude. Que je sois prêt à tout pour te dire merci. Et ce passage est tellement puissant parce qu'il nous montre beaucoup de raisons pour lesquelles nous remercions le Seigneur. Il nous a dit ici, sachez au verset 3 que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Hey, il est Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il est vraiment Dieu. On ne nous a pas menti. Ce n'est pas une divinité parmi d'autres. Il est Dieu. Et pour cela, nous le remercions. Et vous savez, certains d'entre nous, nous allons un peu loin dans ces choses. Et souvent, je dis, mais Seigneur, heureusement que c'est toi qui es Dieu. Parce que si quelqu'un d'autre était Dieu, on serait cuit. Ça ne vous est pas venu à l'idée que le fait qu'il est Dieu ne suppose pas automatiquement qu'il est bienveillant. Mais il est Dieu, il est bienveillant, et je le connais. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Donc quand nous réveillons chaque jour, la première chose c'est Seigneur, merci. Amen. Tu es Dieu, et je te connais. Amen. Merci pour ce seul fait que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sortons de ce schéma de... Vous savez, il y a ce chant du pré-Jésus, notre époque, pré-Christ, où nous chantions « What have you done for me lately? » Oh, 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 oh. C'est qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? Et souvent, nous avons cette attitude vis-à-vis du Seigneur. Nous nous réveillons le matin en attendant de grâces supplémentaires. Et nous sortons, nous avons quelques déceptions. Et on nous dit, OK, quand tu rentres le soir, tu loues l'océan avant de te coucher. Ah non, hein, parce que je n'ai pas eu une bonne journée aujourd'hui. Comme si Dieu était fautif. Sachez que l'Éternel est Dieu. Le psaume 95 nous dit aussi au verset 2, « Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. » Et vous savez pourquoi? Au verset 3, « Car l'Éternel est un grand Dieu. » Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et je le connais. C'est lui qui nous a fait. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est Dieu, tout simplement. Quelles que soient les circonstances de votre vie, il est Dieu. Quelles que soient vos déceptions, il est Dieu. Quelles que soient les attaques que vous vivez, il est Dieu. Et cela a des conséquences très positives. Mais d'abord, cette compréhension de la séparation entre Dieu et moi, du fait que ma situation n'entame en rien sa divinité. Mes difficultés ne nuisent en rien à sa grandeur. Il n'est pas devenu petit parce que j'ai des problèmes. Il est toujours l'Éternel, le grand Dieu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Je pense que vous êtes convaincus que vous n'êtes pas descendu d'un singe. Mais que Dieu vous a façonné. Il vous a créé de façon intentionnelle. Que l'homme est l'ouvrage de ses mains. Non seulement que l'homme est l'ouvrage de ses mains, mais que tout ce qui existe est l'ouvrage de ses mains. Quand vous sortez et l'après-midi, vous regardez vers le soleil, remerciez-le pour le soleil. Remerciez-le pour la lune. Remerciez-le pour les étoiles. Parce que tout ça, c'est l'œuvre de ses mains. Amen. Et toutes les œuvres de ses mains déclarent sa grandeur. Amen. Alléluia. Montrez-moi la dernière étoile que vous avez créée. Alléluia. Lorsque nous savons nous émerveiller de tout ce que Dieu fait, nous grandissons dans la révélation de Dieu. Quelqu'un sera complètement délivré d'un esprit négatif cet après-midi. Quelqu'un sera libéré de cet esprit larmoyant et pleurnichard. Des plaintes et des complaintes. Alléluia. Vous serez remplis d'une huile de joie. Alléluia. Quand j'ai vu à ma conversion que Dieu donnait une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, je dis, ah, je veux ça. Je veux ça. Nous louons le Seigneur à cause de la perfection de ses œuvres. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui l'a amené à l'existence. Comme je disais, montrez-moi la dernière étoile que vous avez créée. Regardez avec moi dans le psaume 136. Oh, God is a good God. God is so good. Nous voulons nous vanter du Seigneur cet après-midi. Et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Parce que, oui, mais toi, tu crois en Dieu, moi, je ne crois pas en Dieu, comme tu veux. Montre-moi la dernière étoile que tu as créée. Si tu veux que je t'écoute. Alléluia. Au verset 3, il nous a dit ceci, « Louez le Seigneur des Seigneurs. » Vous allez répondre ensuite. Tu vois que nous avons des versions différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le second 21? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le second 21? Waouh! Vous lisez tous quelle version? Lui second. Aïe, aïe, aïe. God is a good God. OK, vous dites votre version. Sa miséricorde, sa bonté, comme vous voulez. Louez le Seigneur des Seigneurs. Lui seul fait de grands miracles. Il a fait le ciel avec intelligence. Hey! Il a disposé la terre sur l'eau. Il a fait les grandes luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va commencer à louer le Seigneur maintenant parce qu'il a créé les cieux. Non seulement ça, mais il a fait le soleil, la lune, les étoiles. Alléluia. J'ai tout essayé, je n'ai pas encore créé un soleil. Mais, et ce que j'aime ici, il nous a dit, il a fait le ciel avec intelligence. Intelligence. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, je ne sais pas pourquoi, semblent penser que être chrétien n'est pas quelque chose de très intelligent. Donc, quand ils sont avec des gens intelligents, ils sont gênés pour dire qu'ils ont la foi. C'est que vous avez oublié que la plus grande intelligence qui soit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Personne ne peut se comparer à lui. Toute intelligence humaine est inexistante comparée à la sienne. Il a fait le ciel avec intelligence et nous le savons. Parce que si le soleil devait se perdre et tomber sur nous, Alléluia. Nous louons le Seigneur parce qu'il a créé tout à cause de la perfection de sa création. Une des raisons pour lesquelles nous réagissons quand il y a des problèmes dans la nature, c'est parce que de façon générale, il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il y a des réactions. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il y a des enfants qui naissent déformés? Mais la raison pour laquelle nous nous soucions des enfants qui naissent déformés, c'est que la grande majorité des enfants ne naissent pas déformés. Vous me suivez? Excellence. Excellence. Nous remercions le Seigneur, non seulement parce qu'il est le Créateur, mais aussi parce qu'il est le Créateur et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il est notre berger. Alléluia. C'est une chose extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui voient de grandes personnes, de grandes personnalités de loin et qui vont tout faire pour entrer dans leur entourage. Ensuite, il y a certains qui sont élevés dans une famille, ils ne font pas partie de la famille, ils ont été amenés dans la famille, et ils ont été élevés plus ou moins comme un enfant, mais pas vraiment. Et ils sont toujours ces différences. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est ce grand personnage, ce grand Dieu extraordinaire, et nous ne sommes plus des étrangers. Amen. Nous lui appartenons. Amen. Nous lui appartenons. Quelqu'un va être libéré du rejet cet après-midi. Hey, nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Amen. Sur ma carte de visite, c'est marqué « Femme de bonne famille, famille de Dieu ». J'ai un nom. J'ai un nom qui pèse lourd. Alléluia. J'ai un nom qui pèse lourd. Les gens sont affectés par leur statut social et ils sont affectés, ça les dérange de oui, mais tu sais, nous, notre famille, nous, notre... Mais moi, j'ai un nom. Parce que même dans le naturel, le nom, ça vous ouvre des portes. Ce nom-ci. Il y a un ami d'un de mes frères qui me parlait du fait qu'il lui disait qu'il devait retourner au Nigeria pour faire certaines choses dans la politique. Je dis, mais attends, juste comme ça. Il dit, oui, parce que tu sais, il a un nom. C'est votre nom de famille. Rien que sur le poids du nom de quelqu'un d'autre. Mais nous avons un nom. Amen. Nous lui appartenons. Quelqu'un va recevoir la révélation ce matin. Amen. Et va remercier Dieu en continu. En continu. On continue. Vous avez vu la joie de ma fille à cause de sa réconciliation avec son père? Son père qui, maintenant, Dieu a travaillé son cœur. Mais au début, il n'avait pas nécessairement de très bons sentiments. Vous me suivez? Faillible, humain. Et quelle joie de pouvoir dire, je lui appartiens. Elle disait, je voulais tellement dire papa. Et là, elle est dans sa famille maintenant. Et la famille vient autour d'elle. Vous avez vu sa joie? Il est notre Créateur, notre Père, nous lui appartenons. 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 Et c'est quelque chose qui, quand nous en avons la révélation, provoque en nous des actions de grâce en continu. Et nous allons prier dans quelques instants. Nous allons remercier le Seigneur pour chacun de ces points. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous le remercions pour chacun de ces points, quelqu'un sera libéré de tous les poids que le monde, la vie a déposés sur vous. Amen. Hey, que la joie d'être à Christ va remplir vos cœurs. Amen. Pendant que vous êtes en train de dire ça, quelqu'un est en train d'être libéré. Alléluia. Dans cette même salle, on a fait une réunion. Il y a une jeune femme qui était assise là quelque part. Elle s'est levée après pour témoigner. Pendant que nous étions dans des moments comme ça, en train de louer le Seigneur, l'adorer, juste, Dieu est intervenu dans sa vie. Opérer une délivrance spectaculaire. Spectaculaire. Il faut que nous comprenions les voies de Dieu. Dans l'Église, nous ne comprenons pas toujours comment Dieu fonctionne. Nous sommes formatés. Bon, je vais écouter le message, et pour que ce ne soit pas trop long. Parce que Pasteur Bola, il a parfois... Oh, c'est bon, hein, mais bon, parfois quand même. Hein, et dès que c'est fini, OK, on va prier pour moi. Non, parfois ce n'est pas nécessaire. Hallelujah. Amen. We flow in the anointing. Amen. Hey, ça va regarder. La reconnaissance. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est notre sauveur. Il est notre sauveur. J'ai souvent raconté aux gens de ABBA HOUSE qui vont encore l'entendre une fois, gloire à Dieu. La répétition nous a dit l'apôtre Pierre est salutaire. Comment cette conscience d'être sauvé m'a envahi un jour. Il y a des choses nous pensons savoir, mais nous ne savons pas encore. Toute vérité de la parole de Dieu qui ne vous a pas encore enthousiasmé, vous ne la connaissez pas encore. Toute vérité de la parole de Dieu qui ne vous a pas encore poussé à crier de joie, à sauter, à vous asseoir, dire wow, vous ne l'avez pas encore compris. Je vous assure, il y a révélation et il y a révélation. Il y a entendre, comprendre, savoir plus ou moins et recevoir pleinement. Nous allons recevoir pleinement. Vous savez, parce que Dieu est Dieu. Donc, il y a des niveaux de révélation dans une part ensemble. Dès là où c'est Dieu qui l'a prononcé, il nous faut plus encore. Amen. Et il le fait. Il le fait. Et j'étais chrétienne depuis quelques années. Et j'étais quelqu'un qui avait cherché à savoir qui était Dieu. Je ne suis pas tombée dedans par hasard où on m'a invité, viens voir. Et tout d'un coup, venez. On m'a poussé devant. Il y a des gens qui sont sauvés comme ça. Gloire à Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui a emmené sa mère au Seigneur juste en lui disant, prie avec moi. Il lui a annoncé l'évangile, elle ne voulait pas dire, elle pensait qu'elle était déjà sauvée. Et il lui a fait répéter la prière du salut. Elle a répété avant de savoir ce qu'elle faisait. Mais Dieu l'a acceptée. Mais j'avais cherché, je voulais savoir. Donc, vous pouviez, et quand je me suis convertie, je l'ai faite en connaissance de cause par la grâce de Dieu. Et vous auriez pu penser que quelqu'un comme moi, j'avais compris le salut. Parce que j'ai voulu vraiment savoir. J'ai étudié, j'ai regardé différentes religions, différentes spiritualités. Et je me posais des questions, qui dit la vérité? Et quand j'ai eu la révélation de Jésus, j'étais dans ma chambre en lisant ma Bible, j'étais convaincue. On aurait pu comprendre que je comprenais le salut. Jusqu'à un jour, quelques années plus tard, j'étais en train de prier et la révélation est venue dans mon cœur et je commençais à crier, I'm saved, I'm saved, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je veux vous encourager cette année. Gardez vos oreilles ouvertes. Tout message que vous entendez, gardez votre cœur ouvert. Ne vous permettez jamais de dire, oui, ça je connais déjà, je connais déjà. Je connais déjà. Oui, oui, quand il y aura quelque chose de nouveau, oui, ça je connais. Non, 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 non. En réalité, nous ne connaissons rien. Nous avons juste aperçu. Comme l'apôtre Paul qui l'a dit, nous regardons, c'est encore un peu trouble. Donc nous avançons. Et la révélation de Jésus comme sauveur doit gagner chacun de nos cœurs. Je vous assure, vous avez la révélation de Jésus comme sauveur. Et cette révélation grandit en vous chaque jour. Vous ne serez jamais à court d'actions de grâce. À chaque fois que vous vous plaignez, que vous pleurnichez, c'est le résultat de l'absence de révélation. Parce que quel que soit ce que vit un chrétien, ce qu'il a reçu est infiniment plus grand. Alléluia. Infiniment plus grand. Imaginez, quelqu'un vient ici, regarde dans mon sac et me prend 10 euros. Mais entre-temps, quelqu'un était venu, m'avait donné 1000 euros. Vous pensez que je vais pleurer sur les 10 euros qui m'ont été pris? Elle dit, oui, mais pasteur, vos 10 euros, on les a mis là, quelqu'un les a pris. Oh, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que je viens de penser aux 1000 euros qui sont dans mon sac. C'est ça, il nous a sauvés. Nous le remercions parce qu'il est notre sauveur. Et donc, quand après vous êtes face aux difficultés de la vie, ça ne vous enlève pas votre joie parce que vous êtes tellement conscient du fait que vous avez été sauvé. Et vous êtes encore, oui, mais il y a oui. Mais Seigneur, merci, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Dieu veut amener quelqu'un dans une aventure extraordinaire cette année, où vous êtes étonné par vous-même. Il se passe quelque chose, vous vous apprêtez à aller vous plaindre devant le Seigneur. Et vous vous agenouillez, vous vous levez, vous vous asseyez pour prier. Et tout ce que vous pouvez vous entendre dire, c'est merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que j'étais loin de toi et tu m'as sauvé, parce que j'étais perdu et tu es venu me chercher. Qu'est-ce que je peux dire encore pour te dire merci? Qu'est-ce que je peux dire encore pour cette vie extraordinaire que tu m'as donnée? Alors qu'on vient de vous dire, vous serez licencié. Vous êtes le premier qui va perdre son poste et on ne va rien faire pour vous aider. Et vous rentrez chez vous et tout le monde pense que vous allez dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et vous ne pouvez pas vous empêcher juste de dire, Seigneur, tu m'as sauvé. C'est quoi un travail? Celui qui m'a donné son fils. Combien même ne me donnerait-il toute autre chose? Je ne vais pas laisser le diable se réjouir à mon sujet. Moi, je vais me réjouir au sujet de mon Seigneur. Quelqu'un va se réjouir au sujet de son Seigneur. Ah, parce qu'il nous a sauvés. Nous le remercions parce qu'il est le Sauveur. Nous le remercions parce que nous étions éloignés et il nous a rapprochés. Ouh! Nous n'avions pas droit de citer en Israël, mais il a fait de nous des gens de la maison de Dieu. Nous le remercions parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons sauvés gratuitement. Amen. La prochaine fois que vous avez envie de vous plaindre d'une situation dans votre vie, posez-vous la question. Est-ce que ce que vous avez est infiniment meilleur que ce que vous n'avez pas? Pourquoi pleurnicher sur les 10 euros quand vous en avez 1000 dans votre sac? Imaginez si je commençais à faire, quoi? Ils m'ont, où sont mes 10 euros? Trouvez-moi mes 10 euros! J'ai dit, mais pasteur, quelqu'un vient de vous donner 1000. Oui, mais et alors? Non, mais, on ne peut pas me prendre 10 euros comme ça. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On m'a volé 10! Mais 10, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme ça que nous sommes. Devant le Seigneur, c'est comme ça que nous sommes. Parce que nous n'avons pas assez médité qui Dieu est et ce que ce Dieu si extraordinaire a fait pour des gens si ordinaires. Si ordinaires. Nous le remercions. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Est-ce que vous pouvez le dire à 2 ou 3 personnes qui ont besoin de cette révélation? C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Ouh! Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Hey! Nous sommes son peuple. Le troupeau dont il est le berger. En cette année 2020, n'oubliez pas cela. Vous lui appartenez. Ne vous posez pas des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Que ferai-je? C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes venus sur terre par le biais d'un être humain, mais c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. D'ailleurs, quelles que soient nos relations avec notre entourage, même nos parents, ça ne change rien. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Si vous lui appartenez, le sens de votre valeur ne vient que de lui. Que de lui. Que de lui. Que de lui. Si vous avez entendu toute votre vie, toi, tu es en bon à rien, dis non, 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 je suis maintenant bon à quelque chose. Ah, je suis bon à quelque chose maintenant. Toutes ces paroles, je les évacue et je laisse Dieu m'en libérer complètement. Et ça ne va pas conditionner ma vie, ni ma pensée, ni mes actions. Mes actions sont conditionnées par la certitude que je lui appartiens. Hey! Nous le remercions à cause de sa bonté. Dans ce psaume au verset 5, il nous a dit ceci, car l'Éternel est bon. C'est tellement simple. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Nous le remercions pour sa bonté. Nous ne prenons jamais ces choses pour acquises parce que vous n'auriez jamais pu le convaincre d'être bon à votre égard. Vous ne pourrez pas persuader Dieu à être gentil avec vous. Il fait de bonnes choses parce qu'il est bon, pas parce qu'on prie. Quelqu'un va comprendre quelque chose cet après-midi. Dieu ne fait pas de bonnes choses parce que nous prions. Il fait de bonnes choses parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il peut répondre à nos prières. Toutes nos prières ne peuvent pas le pousser à faire quelque chose qui est bon s'il n'était pas bon. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Nous prenons ces choses pour acquises. Oui, j'ai prié, Dieu a fait, mais Dieu pouvait ne pas faire. S'il n'était pas bon, il ne fera pas. Vous avez vu ces divinités que les gens servent? Et leurs dieux vont leur dire de se couper. Ils vont se couper. Ils vont se couper. Ils vont faire des choses bizarres. Et ils n'ont toujours rien. Ils n'ont toujours rien. Un serviteur de Dieu avait témoigné d'un garçon qui était venu pour la prière. Ce garçon était venu pour la prière parce qu'il cherchait l'argent. Et son Dieu lui a dit d'aller tuer sa mère. Et il l'a fait. Non seulement il l'a fait, fermer les oreilles des enfants. Non seulement il l'a fait, mais il a... oui, et enterré quelque part. Et en dépit de ça, il n'avait toujours rien. Il n'avait toujours rien. Et il y a des gens qui demandent quelque chose à leur divinité, qui leur dit oui, mais il faut que tu sacrifies la vitalité de tous tes fils. Les gens font toutes sortes de choses bizarres. Parce qu'ils ont des dieux qui ne sont pas bons. Mais notre Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils. Ah, Dieu est merveilleux. À cause de sa bonté. Le psaume 92, verset 5, nous dit ceci. « Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel. » Je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien. L'homme stupide n'y comprend rien. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne suis pas stupide. Moi, j'y connais quelque chose. Alléluia. Amen. Dites à votre voisin, toi, tu n'es pas stupide. Tu reconnais que les œuvres de Dieu sont bonnes. Alléluia. Non, ne vous sentez pas gêné quand vous dites, ah, merci Seigneur. Mais comment ça, Seigneur? Vous, là, vous pensez que c'est Dieu qui est partout. Et les chrétiens se sentent petits. Mais non, c'est l'autre qui est stupide, selon la parole de Dieu, qui n'a pas compris que les œuvres de Dieu sont grandes, qu'elles sont merveilleuses, elles sont extraordinaires, elles sont parfaites. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler de ma vie. Que les œuvres de Dieu sont grandes dans ma vie. Alléluia. Vous êtes d'accord? Les œuvres de Dieu sont grandes dans ma vie. Je reconnais qu'en 2019, il a fait de grandes choses pour moi. Je pense que vous avez compris que vous pouvez parler pendant ce message. Alléluia. Vous pouvez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Hey! Les œuvres de Dieu sont grandes dans ma vie. Il a dit, l'idiot n'y connaît rien. L'homme stupide n'y comprend rien. Mais moi, j'y connais quelque chose. Et je comprends quelque chose. Remarquez, il dit, je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Nous chantons aussi parce que Dieu nous a ouvert l'entendement pour voir à quel point ses œuvres sont grandes. Deux personnes pouvaient être là. Quelqu'un est venu ici conscient du fait que, ses yeux se soient ouverts aujourd'hui. C'est une œuvre grande de Dieu. Quelqu'un d'autre vient, tout ce qu'il voit c'est « Oui, mais bon, j'étais fatigué en me réveillant. » Non, mais c'est quoi ça, Seigneur? On se réveille le jour de l'an et on est fatigué. Je n'ai pas continué comme ça toute l'année. Hein? Il y a quelqu'un qui est stupide, selon la parole de Dieu, qui n'a pas compris que le fait même que ses yeux se soient ouverts aujourd'hui, c'est une grande œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous renonçons à toute stupidité. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, nous allons remercier le Seigneur. Amen. Chaque jour, si vous vous réveillez fatigué, vous le remerciez du fait que vous êtes réveillé. Alléluia. Alléluia. Une fois, j'étais allée prêcher dans une église et j'ai eu à discuter après avec une personne qui me disait, je comprends pourquoi les gens meurent dans leur sommeil. Et elle était réveillée de son sommeil, affligée. Grande avocate d'une grande famille. Mais l'argent ne peut pas résoudre ces choses. Il s'est passé quelque chose dans son sommeil. À son réveil, elle ne pouvait plus parler correctement. Elle avait du mal à se déplacer. Elle m'a dit, je comprends pourquoi les gens meurent dans leur sommeil. Parce qu'il se passe des choses dans le sommeil. Donc si vous vous réveillez fatigué, vous vous êtes réveillé. Vous vous êtes réveillé, je suis réveillé. Ouh! Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un me disait l'autre jour, s'être réveillé en criant Jésus au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que la personne s'est réveillée et a vu une figure qui venait vers elle. Imaginez si elle ne s'était pas réveillée. La figure n'était pas venue pour lui caresser les cheveux. Mais Dieu s'est réveillé. Jésus, bah, disparu. Oh, le nom le plus élevé. Alléluia. Et si vous dites, oui, mais moi je me réveille toujours oppressé, c'est fini. Amen. Tout à l'heure quand nous allons prier, vous allez prendre autorité. C'est pour cela que je voulais que ma fille Gloria témoigne. Je ne leur ai pas imposé les mains, nous avons juste fait des déclarations. Et à cause de l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit, Sa mère ici devant elle, au fond, les deux délivrés en même temps. Hallelujah. God is a good God. Quelqu'un va le servir en 2020. Amen. Ah! Ce ne sont pas des fables habilement conçues. L'évangile est la vérité. Et cette conscience va nous envahir. Et nous serons remplis d'allégresse et de joie. Tu me réjouis par ce que tu as accompli. Nous le remercions parce que ses œuvres nous remplissent de joie. Qui a été heureux d'entendre le témoignage qu'elle a donné sur elle et son père? Et le nouveau frère qui s'est manifesté chez les gens de la Barras n'avaient pas encore entendu cette partie-là. Qui s'est manifesté et comment maintenant Dieu fait en sorte qu'elle arrive à le toucher. Sa mère qui est décédée, servante de Dieu, même sur son lit de mort, il n'a pas pu lui promettre qu'il allait se réconcilier avec son père. Après, une petite soeur qu'il n'avait jamais connue lui dit qu'il faut le faire et il accepte. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. Quand les déclarations prophétiques sont faites, si vous recevez. Amen. Non, commencez pas à dire oui, mais je ne sais pas comment ça va se faire parce qu'elle dit ça comme ça. Si elle savait comment c'est dans ma fête, Dieu le sait. Hein? Dieu le sait. Amen. Dieu le sait. Sa mère, une servante de Dieu. Vous savez, c'est quand les gens vont mourir qu'on promet tout. Il n'a pas pu le lui promettre. C'est vous voir le degré de la haine. Shema Rabadi a dit, tu seras une bénédiction pour ta famille. Recevez-le vous aussi. Recevez-le vous aussi. Recevez-le vous aussi. Vous serez une bénédiction pour votre famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, la grâce de Dieu sur vous se confirme quand votre famille commence à en bénéficier. Les gens qui souvent sont les plus réfractaires à croire qu'il y a quoi que ce soit, mais quand Dieu commence à les toucher, vous savez que vraiment, Seigneur, tu es sur mon cœur. Et faites-en un point d'honneur. Comment ça vous connaissez Dieu et votre famille reste intouchée? C'est une insulte. Ça, c'est votre territoire. Le diable vous y résiste. Et ça va s'arrêter tout ça. Alléluia. Ça va s'arrêter tout ça. Ça va s'arrêter tout ça. Gloire à Dieu. Ça va s'arrêter tout ça. En 2020, Dieu va vous donner cette grâce d'être une bénédiction pour votre famille. Pas parce que vous renégociez l'évangile, vous ne parlez pas de Jésus pour ne pas les vexer, pour vous essayez de vous cacher. Non, non, non. Mais parce que la puissance de Dieu agit à travers vous. Alléluia. Imaginez la puissance qui peut toucher le cœur d'un garçon qui a la haine pour son frère pour dire, ce que je n'ai pas accepté, ce que je n'ai pas accepté de promettre à ma mère mourante, j'accepte quand toi tu me le dis. Wow. Prenez la mesure de la puissance de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir de persuasion. Ce n'est pas, oh, elle a la tchatche. Non. Mais le Saint-Esprit. Connectez-vous à ce témoignage et recevez-vous aussi. Nous remercions le Seigneur parce que ses œuvres nous remplissent d'allégresse. Et nous aimons prendre des témoignages parce que nous voulons que concrètement, les uns et les autres voient que Dieu agit. Nous avons des mémoires courtes et nous sommes là, oui mais Seigneur, tu es où? Là où il a toujours été, il n'est pas perdu. Oui, mais je ne sais pas où tu es. Dès lors où quelqu'un en témoignage, Dieu n'est pas perdu. Vous me suivez? Oui, mais je ne comprends pas, les autres témoignent, et pourquoi pas moi? Au lieu de dire, ah, les autres témoignent, donc Dieu est encore en train d'agir. Moi aussi, je vais témoigner. Alléluia. Moi aussi, je vais. Oh, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour ma soeur Gloria. Moi aussi, je vais témoigner concernant ma relation avec mon père. Moi aussi, je vais témoigner. Seigneur, je te remercie. Manifestement, tu es encore en train de faire ce genre de miracle. Je reçois le mien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, God is a good God. Dieu est bon. Nous le remercions à cause de l'allégresse provoquée en nous par ses œuvres. Et ne passez vraiment pas à côté des temps de témoignages. Il faut tout écouter. Tout écouter, entendre les gens dire, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a fait. Votre ami vient vous dire, oh, tu sais, le Seigneur m'a béni, j'ai une nouvelle maison. Faites pas, les maisons, il y a des gens qui sont, il n'y a que les maisons aussi sont importantes. Hein? On ne cherche pas le Seigneur pour les maisons, mais on le loue mieux dans une maison que dans la rue. Alléluia. Tellement plus facile de le louer quand on a un toit. Plutôt qu'au coin du McDo, déplacez-vous, déplacez-vous. Pardon, parce que vous mettez devant le quick. Déplacez-vous, déplacez-vous. Mais quand vous avez une maison, tellement plus simple, n'est-ce pas? Donc on le remercie. Et quand le frère témoigne de sa maison, ne fait pas, tous ces gens, je ne sais même pas s'ils vont aller au ciel, ils pensent qu'aux maisons. Non, vous remerciez le Seigneur avec eux. Soyez pas jaloux. Il ne faut pas être jaloux des témoignages des autres. Parce que l'allégresse que provoquent les témoignages des autres nous aide à remercier davantage le Seigneur. Et les actions de grâce que nous offrons au Seigneur déclenchent aussi nos témoignages. Nous ne remercions pas le Seigneur pour recevoir de lui. Mais quand nous le remercions, nous recevons de lui. Alléluia. Vous avez compris la nuance? Ah. Nous le remercions à cause de sa provision en continu. J'espère que vous êtes en train de noter parce que nous allons prier chacun de ces points. Nous allons exprimer nos actions de grâce au Seigneur concrètement pour ta provision dans nos vies. Et la parole de Dieu est très claire. Quand Dieu a amené le peuple de Dieu dans la terre promise, différents passages de Deutéronome, 8, 24, etc., il promettait ce qu'il allait leur donner. Mais il leur dit, quand vous y arrivez, ne commencez pas à dire que... C'est moi. C'est ma sagesse, mon intelligence, mes capacités qui ont obtenu ces choses, qui m'ont permis d'acquérir ces choses. Il a dit parce qu'il est l'Éternel, celui qui te donne la capacité d'acquérir de la richesse. Je vois qu'il y a des gens ici qui ne veulent pas avoir de la richesse. Ou vous faisiez semblant. Vous faisiez semblant dire, oh, c'est bon, tellement spirituel. Si on dit Amen, on dit, ah, vous ne cherchez que l'argent. Non, 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 non. Non, non, pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Accomplir la volonté de Dieu sur la terre. L'Église n'est pas censée être en train de quémander à chaque fois. Chaque fois que je reçois un mail d'une église où ils demandent de l'aide pour quelque chose, mon cœur saigne. Je dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Dans cette église, il doit y avoir des chrétiens qui ont été enrichis par Dieu, amen, qui sont en mesure de faire un seul chèque. On n'a pas besoin de prendre une offrande spéciale de toute l'église, encore moins demander à d'autres églises. Il doit y avoir quelqu'un qui peut faire un chèque, peut dire, OK, qu'est-ce qu'il nous faut? On l'achète. Si vous voulez que ce quelqu'un soit vous, dites Amen. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut que nous soyons reconnaissants pour sa provision, que nous reconnaissions que tout ce que nous avons nous vient de lui. Et donc, quand il commence à nous bénir, nous donner la promotion, nous prospérer, nous commençons pas à dire, oui, mais c'est moi. Hein. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'eux, je suis quelqu'un d'eux. Tu sais, les autres, mais ils ne peuvent pas avancer, tu sais comment ils sont. Mais moi, je suis quelqu'un d'eux, je suis quelqu'un d'eux, je suis quelqu'un d'eux, je suis... Ah non, moi, je suis quelqu'un de super appliqué, moi, je suis quelqu'un de très intelligent, oui, l'intelligence que tu t'es fabriquée, et je suis quelqu'un de ceci, je suis quelqu'un de ceci, et je suis quelqu'un d'eux, et c'est pour ça que je réussis. Non, 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 non. Non, non, non. C'est lui qui te donne la capacité d'acquérir de la richesse. Alléluia. Ce qui veut dire que ça fait partie des opérations de Dieu dans la vie de ses enfants. Donner la capacité d'acquérir de la richesse. Mais pas pour gaspiller pour soi-même, mais pour accomplir sa volonté, pour établir son royaume, pour financer son œuvre sur la terre. Alléluia. Donc la prochaine fois que vous avez il y a une collecte et les gens disent oui, on veut payer telle chose, on va faire une collecte, ne rouspétez pas. Puis on est tout en train de faire des collectes. Qui va le payer? Les païens? Mais là, vous saisissez par la fin, vous dites Seigneur, enrichis-moi. Pour que là où je suis, on n'ait plus besoin de faire ce genre de collecte. Que moi seul, je puisse le faire. Et beaucoup de chrétiens passent à côté, parce qu'au lieu de faire ça, ils se plaignent du fait que, oui, on demande tout le temps de l'argent, on demande tout le temps de l'argent. Là où vous habitez, vous ne payez pas? Tous les mois, ils vous demandent de l'argent. Ils sont terribles. Hein? Non, mais vous vous rendez compte? Vous achetez une maison, tous les mois, la banque vous demande de l'argent. EDF vous en demande. Non, mais franchement, ils ne demandent que de l'argent, eux. Ils ne sont jamais venus vous demander comment vous allez. Ils ne font qu'on vous envoie des factures. Tous les mois, ils vous demandent de l'argent. Certains, toutes les semaines. Pour Internet, ils vous demandent de l'argent. Même pour le mobile, franchement, ils pourraient vous donner ça gratuitement. Ils vous demandent aussi de l'argent. C'est pas bizarre, non? Non, mais c'est étrange. Mais vous n'êtes jamais plein. C'est uniquement quand il y a un collecte à l'église que les chrétiens se plaignent. Mais je veux amener quelqu'un à dire ce Dieu qui a promis d'enrichir. Je veux faire alliance avec lui. Amen. Pour que Père, tu puisses m'enrichir pour le bien de ton royaume. Amen. Pour laver cet opprobre, que l'Église n'a plus à quémander, que l'Église n'a plus à faire des collectes pour des petites sommes. J'ai écouté un serviteur de Dieu, ça m'a tellement fait plaisir. Et j'encourage tous les jeunes qui sont ici, soyez sérieux. Il a dit quand ils allaient finir leurs études, lui et 6 de ses amis, ils ont compris que les choses allaient mal, il fallait qu'ils prient pour avoir une carrière. Et tous les jours, 5 h du matin, ils se retrouvaient sur une montagne et ils priaient. Tous les jours, pendant toute leur dernière année, même l'année précédente, tous les jours, ils priaient pour leur avenir. Quand ils ont fini leurs études, chacun d'eux a eu un emploi extraordinaire. Chacun. Et il a dit, quand il a vu, quand il était encore en période d'essai, il a vu son salaire. Il dit, eh, il y a des gens qui gagnent autant. Et son salaire était supérieur à ce que gagnait le recteur de son université après la réévaluation des salaires. Il venait d'être diplômé. Mais il avait pris son avenir au sérieux. Beaucoup de jeunes ne prennent pas leur avenir au sérieux. Ils vont juste, ouais, on cherche, on va voir. Si c'est ça, vous allez voir. Hein? Tous, sans exception. Sans exception. Et quand ils l'ont donné en CDI, il a vu le salaire, il était sous le choc. Donc, dans son église, à chaque fois qu'il disait, bon, on veut acheter un piano, ben, je m'en occupe. On veut, je m'en occupe. Bon, on va faire une collecte parce qu'on veut. Il va aller, pasteur, je m'en occupe. Ce sera votre témoignage. La provision de Dieu, nous le remercions pour sa provision. Et la première chose, c'est de cesser de se plaindre. Cesser de se plaindre. Je crois que c'est mon fils là derrière qui disait qu'il était toujours étonné par sa maman, à quel point elle était reconnaissante. Mais on repart qu'il ne paye pas de mina. Ah, mais Seigneur, c'est grâce au Seigneur. Il disait, mais ça, on va manger là? Mais elle, reconnaissante. Vous allez être reconnaissante. Amen. La parole de Dieu nous dit au psaume 107 qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Alléluia. Ce sera votre témoignage. Amen. Plus rien ne va manquer dans votre maison. Amen. Ni matériel, ni émotionnel, ni spirituel. Amen. Il nous comble de bien. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur à cause de son caractère. Nous le remercions à cause de son caractère. Je vous ai parlé de sa bonté. Mais Dieu est aussi un Dieu juste. Et la révélation du fait que Dieu est juste est quelque chose qui va vous donner la sérénité dans la vie. La sérénité. Dieu est juste. Il est juste. S'il vous dit que vous méritez quelque chose, vous le méritez. Vous dites, oh yes, parce que vous ne savez pas ce que vous méritez. Dieu est juste. Il est juste dans ses voies, dans ses jugements, il est juste. Les gens sont trop préoccupés pour comment ils m'ont traité. Dieu est juste. Amen. Dieu s'en occupe. Il s'en occupe. Il y a des fois, vous avez des moments où vous êtes là, c'est pas possible. Qu'ils aient fait ça, c'est pas possible. Laissez. Vous avez un Dieu qui est juste. Alléluia. God is a good God. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 32, au verset 1, « Ciel, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. » Dis, toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. C'est ton Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. 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 Nous devons le remercier parce qu'il est juste et parce qu'il est droit. Ses sentences sont justes. Ses paroles sont justes. Ses jugements sont justes. Ses voix sont justes. Quel que soit ce que vous voyez, reconnaissez que l'Éternel est juste. Quand nous comprenons cela, nous n'allons pas vivre certaines bêtises que nous vivons, où nous passons notre temps à faire des récriminations à Dieu. Et encore. Oui, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi ceci? Non, 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 non. Toutes ces voies sont justes. Toutes ces voies sont justes. Toutes ces voies sont justes. Vous voulez plaire à Dieu. Vous prenez tout ce que nous avons dit jusque-là. Et quand vous venez prier, dites-lui tout ça. Vous voulez plaire à Dieu? Vous voulez vivre dans la faveur de Dieu? Arrêtez de lui parler de vous. Parlez-lui de lui. Alléluia. Parlez-lui de lui. Ce que sa parole dit à son égard. Seigneur, tu es juste. Tu es droit, tu es fidèle, toutes tes voies sont perfection, toutes tes œuvres sont extraordinaires. Vous allez voir comment votre relation avec le Seigneur va passer au niveau supérieur. Alléluia, alléluia. Non seulement vous lui dites ce que sa parole dit le concernant, mais pendant que vous le dites, vous commencez à prendre conscience, il y a une profondeur de compréhension qui va naître en vous. Et les gens vont commencer à demander, mais toi, manger quoi, toi? On n'est pas tous chrétiens, non? Non, on n'est pas tous chrétiens de cette façon-là. Vous me suivez? Il y a des gens qui ne voient qu'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne voient que Dieu. Et quand ils se voient à travers les yeux de Dieu. Ce sera votre témoignage. En 2020, vous allez le voir tel qu'il est. Communier avec lui en continu. Une dimension de reconnaissance qui fait que vos yeux ne sont pas encore ouverts. Vous êtes déjà en train de dire, ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, papa. On vient vous raconter un problème. Vous dites, ok, on va prier. Mais vous n'en parlez même pas. Vous êtes tout le temps dit, Seigneur, merci. Papa, merci. Vous nous dites que sa bonté, que sa bienveillance, que sa droiture, que sa justice. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit va vous pousser. Vous allez vous entendre parler de la situation, mais à sa manière. Amen. Alléluia. Nous voulons vivre vraiment. Nous ne voulons pas juste survivre comme chrétiens sur la terre. Nous voulons vivre dans la profondeur de la révélation. Nous voulons vivre animés puissamment par l'Esprit de l'Éternel. Comme je vous ai dit, Jésus ne nous a pas grugé. Il ne nous a pas menti. Quand il nous a parlé de vie éternelle, il disait vrai. Quand il nous a parlé de joie, il disait vrai. L'apôtre Paul, avec toutes ses persécutions, il était rempli de joie. Une joie indicible. Vous me suivez? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons encore besoin de toucher. Il y a une modification qui doit être introduite dans notre compréhension de la vie chrétienne et la manière de la vivre. Et une de ces modifications, c'est les actions de grâce. La reconnaissance. La reconnaissance. Vous lui dites qui il est, ce qu'il est. Et pas juste comme le préalable avant de passer aux choses sérieuses. Parce qu'il y a des gens qui louent le Seigneur. Juste pour, on va évacuer ce devoir et après, vraiment, on va prier. Parce que là, il y a des problèmes. Mais il y a les hors d'œuvre, hein, la louange. Il faut bien y passer. Bon, il faut rentrer dans ses portes, il faut rentrer dans ses parvis. Donc, bon, on est obligé. Moi, j'ai envie de vraiment prier, mais bon, on m'a appris qu'il faut louer, on m'a appris qu'il faut dire merci, donc je vais le faire. Mais sans que le cœur y soit. Le cœur va y être. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais si on n'a pas le temps aujourd'hui, ce sera dimanche. Si vous n'êtes pas de ABBA HOUSE, prenez le CD ou regardez en ligne. Nous allons parler de comment développer un cœur de reconnaissance. C'est déjà ce que nous sommes en train de faire. Amen. La parole qui est en train d'être libérée. Amen. Et qui est en train déjà de travailler dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un dit, mais je pensais que pasteur allait prophétiser pour dire, toi, l'Éternel te dit. Je peux vous dire ça, et ça va disparaître au bout de 3 jours. Amen. Mais si vous avez un cœur rempli de reconnaissance, ouh, Zamaragade, Dieu va continuer à agir en continu. En continu. Et vous allez vous-même entendre sa voix en continu. Amen. Parce que Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Amen. Dites à quelqu'un, regarde-moi bien. Je suis reconnaissant envers mon Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup le psaume 92 parce qu'ils nous disent qui nous sommes. Ils nous parlent des justes. Ils disent les justes poussent comme le palmier. Vous savez, les enfants, quand on les voit, on les revoit après 1 mois, 2 mois, on dit, ah, mais tu as poussé. Ils sont là, oui, j'ai grandi. Ça devrait être votre témoignage. Amen. On vous revoit après 1 mois. Wow, tu as poussé. Amen. Les justes poussent comme le palmier. Amen. Croissance exponentielle et extraordinaire. Amen. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Amen. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent. Amen. Dans les parvis de notre Dieu. Amen. Vous savez, ça c'est extraordinaire. Et après, il conclut en disant que Dieu est notre rocher. Il n'y a aucune injustice en lui. Pourquoi nous remercions le Seigneur? Ce que nous venons de dire, la perfection de sa personne et la perfection de ses voies. On peut parler de sa bonté. On peut parler de sa justice. On peut parler de son amour. Et nous allons parler de son amour dans quelques instants. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'il est parfait. Et c'est pour cela que nous chantons, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi merveilleux. Et parfois nous chantons ce chant et certains chrétiens ça. Oh, tout en toi est beauté. Ah, des révélations. Révélation. Révélation. Tout en toi est beauté. Vous savez, avec tout l'amour que j'ai pour ma fille Grâce, je ne peux pas, mon âme et conscience, dire tout en toi est beauté. Vous êtes d'accord? Je sais que vous pouvez le dire pour moi. Non, 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 non. Je plaisante. Non, mais Dieu. Et on n'a même pas peur d'être contredit. Alléluia. Et nous le remercions pour sa perfection. Cette relation avec Dieu est tellement sécurisante à cause de sa perfection. Nous n'avons pas de crainte que, ouh, il va nous faire un coup. Ouh, peut-être quelque chose va arriver. Les gens sont gentils, mais il leur arrive des choses. Et ils changent. Nous avons une sécurité absolue. Et nous le remercions pour cela. À cause de la perfection de ses voies et de ses œuvres. Ce qu'il accomplit est parfait. Toutes ses voies sont justes. Jacques 1, 16, 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent, écoutez bien, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ni changement, ni l'ombre d'une variation. Il est lumière. Il reste lumière. Il sera éternellement lumière. Il est parfait. Il reste parfait. Il sera éternellement parfait. Ses voies sont parfaites. Il ne pourra jamais commettre une erreur. Il est parfait. Ses voies sont parfaites. Donc sa direction pour ma vie est parfaite. Ses instructions pour moi sont parfaites. Quelle sécurité! Nous le remercions pour sa perfection. Nous le remercions parce qu'il est celui qu'on dit si bien en anglais, « the helper of men ». Celui qui aide les humains. Celui qui aide les humains. « My helper, oh !» Quand nous chantons nigérien. Quand vous entendez « oh », vous savez d'où ça vient. My helper, oh, my helper, there is something that makes me come into your presence. My helper. Dieu est celui qui nous aide. Notez-le. Il est notre aide. 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 Dans toutes les circonstances. Quand le médecin vous a donné des diagnostics qui ne sont pas agréables, il est votre aide. Amen. Nous ne sommes jamais perdus. Nous ne sommes jamais désemparés. Parce que nous avons une aide. Il est notre aide. C'est tellement puissant. Il est notre aide. Et quand nous le comprenons, nous gagnons en sérénité. Le psaume 50 au verset 15, fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai. Et tu m'honoreras. Vous voyez un peu? Je te délivrerai. Et tu m'honoreras. Pourquoi nous témoignons? Pour l'honorer. Parce qu'il est venu nous délivrer. Nous avons fait appel à lui dans la détresse. Il est venu nous délivrer. Et nous venons l'honorer. Quelqu'un va honorer le Seigneur cette année? Nous n'allons pas nous contenter de recevoir des réponses. Nous allons l'honorer. Nous allons mettre plein la vue au diable. Amen. Nous allons dire à tout le monde, tu sais ce que Satan essaie de faire? Ah, mais le Seigneur. Mais le Seigneur. Oui, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Ouh! Je vais te dire, ça va très bien. Dieu est intervenu. Amen. Il a déjoué les projets de mes ennemis. Il les a confondus. Il les a humiliés. Alléluia. Il les a écrasés. Aremano besakata beregada sheka. Lambo gore bazakata. Il les a écrasés. Il a enfoncé leur visage dans la boue. Dites amen. Amen. Ne soyez pas trop pacifistes, hein, parce que nous sommes en guerre. Non, mais moi, je veux juste que tout le monde soit en paix. Oui, il faut que nous soyons en paix. Pour être en paix, il faut aller à la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'allez jamais à la guerre, vous ne serez jamais en paix. Amen. Il faut gagner des combats pour obtenir la tranquillité. C'est oui, mais je veux juste que le diable me laisse tranquille. Oh, il ne connaît pas ce langage. Le langage qu'il connaît, c'est au nom de Jésus. Amen. Zamarabadesh. L'autre jour, le petit était venu pour la prière. Il est venu vide. Il a dit, ah, j'ai mal la tête, pasteur, priez pour moi. Je prie pour lui. Pendant que je prie pour lui, je l'entendis. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Je dis, alléluia. La relève est assurée. Amen. Yes. Amen. On n'a pas d'inquiétude à se faire pour la génération suivante. Amen. My God. Je priais pour lui. Il dit, je vois le feu. Je vois le feu. Je dis, on voit le feu. On voit. Envoie le feu. Zamarabagesh Tebere. Ne laissez pas Satan vous prendre vos enfants. Hein. Apprenez-leur à envoyer le feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À décimer toute opposition contre leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne sont pas trop jeunes pour envoyer le feu. Amen. Parce qu'ils ne sont pas trop jeunes pour être attaqués par le diable. Amen. Ah, maman, je fais des cauchemars, je ne dors pas la nuit. Vous priez avec lui, dit maintenant au nom de Jésus. Quand tu vas dormir, tu vas prier comme ça. Et si tu te réveilles avec un cauchemar, voilà comment tu vas prier. Et après, tu te recouches. Tu dis, Seigneur, qu'il revienne pour que je puisse les tabasser. Il est notre aide. Amen. Et à cause de lui, nous sommes en sécurité. Amen. Il y a quelqu'un qui est derrière nous. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Que ce soit la maladie, il nous vient en aide. Que ce soit la détresse, il nous vient en aide. Amen. Et c'est pour ça que le psaume 103, que nous aimons tellement à ABBA HOUSE, dit ceci, mon âme, bénis l'Éternel. Et alléluia. Amen. Que tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Ensuite, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun, dites aucun, aucun de ses bienfaits. C'est pour cela que quand j'ai envoyé les sujets de prière que nous devions faire à minuit, je vous ai rappelé qu'il fallait lister 2019 tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout ce que Dieu a fait. Et quand je faisais ma liste, ce que je fais en général le 30 décembre, qui est mon anniversaire, qui est pour moi une journée de méditation. Ebenezer. Et quand je faisais ma liste, il y a des choses que le Saint-Esprit m'a rappelées. Je suis heureusement que j'ai fait la liste. Parce que parfois on oublie. Hein? Qui m'a rappelé, j'étais là, waouh! Awesome God, how great you alone, mighty are your miracles, we stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Vous êtes ébahis par autant de bonté. Autant de sollicitude, autant d'amour. Nous devons nous poser pour dire, il est mon aide. Combien de fois il nous vient en aide? Combien de fois il nous est venu en aide? La parole de Dieu nous dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Alléluia. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Amen. Qui te couronne de bonté et de compassion. Ouh! C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui t'en fait rajeunir comme... Hey! Alléluia! Hey! Te fait rajeunir comme l'aigle. Gloire à Dieu! Je vois que même les jeunes ont saisi cette révélation. Alléluia! Gloire à Dieu! Je disais à Béa l'autre jour que je venais... Je ne suis même pas encore arrivée à la moitié de mes années sur terre. Et que tous ceux qui, aujourd'hui, ont 20 ans et qui pensent qu'ils sont jeunes, bon, on va voir. Alléluia. Tous ceux qui ont 30 ans, qui pensent qu'ils sont jeunes, on va voir. Quand ils vont avoir 70 ans, que je vais avoir 90 et quelques, je serai plus jeune. Alléluia! On dit, mais pasteur, regarde, il me fait rajeunir. Comme l'aigle, il est notre aide, il est celui qui nous guérit. Nous le remercions parce qu'il nous guérit. Nous le remercions parce qu'il nous guérit. Il nous guérit. Et la parole nous dit, il guérit toutes tes maladies. Et je veux que quelqu'un ait une révélation de toutes ce matin. Cet après-midi. Ayez une révélation de toutes. Parce qu'il y a au moins une personne ici qui traîne une maladie qui aurait pu partir. Juste parce qu'elle a demandé la guérison pour une autre. Et pensait que celle-ci, ce n'est pas si grave. Ça ne fait pas très mal. Mais la parole dit qu'il guérit toutes tes maladies. Pas juste les maladies qui font très mal. Peu importe, même si vous ne ressentez rien, dès lors où ce n'est pas ce que Dieu veut, ça doit vous quitter. Amen. Au nom de Jésus. Et nous le remercions pour cela. Amen. Nous le remercions pour cela. Amen. Il guérit toutes nos maladies. Et vous savez, il y a des fois, c'est après qu'on se rend compte que certains symptômes ont disparu. On est très conscient que les symptômes sont là. Mais tout d'un coup, on oublie. Et on dit, mais j'avais mal aux épaules tout le temps. Mais j'avais mal au dos. Mais c'est parti. Que toute douleur disparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance de guérison. Amen. Qui est libérée dans cet endroit maintenant. Amen. Nous te remercions parce que quelqu'un sort d'ici totalement restauré. Amen. Physiquement et mentalement. Amen. Quelqu'un sort d'ici avec la conscience d'avoir été pardonné. Amen. Il y a quelqu'un qui porte un poids de culpabilité. Amen. Ce poids vous quitte au nom de Jésus. Amen. Ce poids vous quitte au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il pardonne. Amen. Les êtres humains peuvent ne pas pardonner, mais Dieu pardonne. Amen. Et dès lors où Dieu pardonne, vous êtes pardonné. Alléluia. Vous êtes pardonné. Alléluia. Je déclare ça sur quelqu'un, vous êtes pardonné. Amen. Vous êtes pardonné au nom de Jésus. Amen. Vous êtes pardonné au nom de Jésus. Amen. Et vous êtes libéré du poids de la culpabilité. Amen. Au nom de Jésus. C'est une parole pour moi, 1, 2, 3 personnes ici cet après-midi. Vous êtes libérés du poids de la culpabilité. Au nom de Jésus. Vous allez marcher dans la simplicité, dans la reconnaissance envers le Seigneur, mais débarrassé de ce poids de culpabilité. Alléluia. Vous n'allez pas faire de choses parce que vous vous sentez coupable. Vous allez faire ce qui est bon devant le Seigneur. Parce qu'il vous a donné le cœur de faire le bien. Pas parce que vous vous sentez coupable. Amen. Ou parce qu'il faut payer pour quelque chose que vous avez fait. Amen. Vous êtes libérés de ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous encourager, bien-aimés, ne retenez pas les gens otages. Pensez qu'il faut constamment leur rappeler ça pour qu'ils se tiennent bien. Non. Si vous faites ça, vous ne verrez pas la victoire de Dieu. La victoire de Dieu vient quand vous libérez une personne. Dieu libère, donc vous libérez. Donc vous mettez l'affaire entre les mains de Dieu. C'est Dieu maintenant qui va pouvoir agir pour transformer cette personne. Amen. Vous me suivez? Oui. Si vous ne libérez pas une personne, Dieu ne pourra pas la transformer. Vous allez continuer à pousser, à appuyer et à détruire la relation. Mais si vous libérez quelqu'un, quel que soit ce que la personne a fait, vous libérez, vous cessez de revenir dessus. Vous cessez de revenir dessus. Vous cessez de revenir dessus. Vous cessez d'essayer d'utiliser ça pour manipuler la personne, pour la contrôler. Dieu va intervenir. Amen. Dieu va briser tout ce qui a amené la personne dans son comportement et ça va changer complètement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, vous aurez vraiment un témoignage. 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 Vous allez avoir un témoignage. Amen. Il faut faire confiance à Dieu pour ça. Parce que parfois, on veut garder le contrôle. Parce que si je libère après, laissez Dieu agir. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va vous honorer. Amen. Il va vous honorer. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est miséricordieux. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté. Nous remercions le Seigneur parce que des gens comme nous, nous pouvons nous tenir devant lui sans avoir peur d'être foudroyés. Alors qu'il est saint. Et nous, nous le remercions. Un jour, j'étais en train de méditer, je dis, mais Seigneur, tu te rends compte? Tu connais toutes nos pensées. Toutes nos pensées. Tu connais toutes nos pensées. Quand nous venons nous présenter devant toi à l'église, les frères et sœurs nous voient comme nous sommes. Alléluia, ça va frère, ça va frère. Mais toi, tu connais ce qui est à l'intérieur de nous. Tu sais tout ce à quoi nous avons pensé avant de venir. Tu sais tout ce que nous méditons matin, midi et soir. Et pourtant, nous venons dire, Seigneur, je te loue et tu ne nous tues pas. C'est extraordinaire. Il est miséricordieux. Si vous ne méditez pas sur ces choses, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point nous sommes débiteurs de Dieu. Et chaque fois que vous avez un problème, vous allez vous plaindre. Celui qui est capable de connaître tout ce qui se passe en nous et de nous aimer quand même. Croyez-moi, il nous veut du bien. Croyez-moi, il nous veut du bien. Donc, quel que soit le problème que vous rencontrez cette année, ne vous permettez pas de vous respecter. Seigneur, pourquoi ça? Si le Seigneur n'était pas gentil, tu ne serais plus en vie. Si Dieu n'était pas bon, il n'a pas besoin de te causer un problème. Juste regarder l'état de ton cœur. Tu viens avec ce cœur pourri devant moi. Elle dit, mais on ne comprend pas, les gens vont à l'église et ils meurent. On ne comprend pas. L'hécatombe dans l'église. Quelle miséricorde. Quelle miséricorde. Quelle miséricorde. Quelle miséricorde. Vous savez, tout cela, ça va faire quelque chose. Ça va faire que nous allons être des gens qui recherchons la paix avec les frères et sœurs. Qui sont peu enclins à condamner, à attaquer, à critiquer, à trouver que oui, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. Tu es qui, toi? C'est pour ça qu'à ABBA HOUSE, les gens n'ont pas l'habitude de venir critiquer les gens. Parce que s'ils viennent, je dis, mais et toi, tu te prends pour qui? Tu sais, on a vu tous tes travers, toi aussi. Hein? Et on t'aime quand même. Donc, aime-le aussi. Alléluia. Mais nous sommes tellement enclins. Oui, mais en tel est ceci, en tel est cela. Oui, telle personne et telle personne. Et moi, je dis, tout est regardé. Est-ce que tout est vu? Manifestement, non. On va prier pour que la cécité te quitte. Parce que ce Dieu extraordinaire qui nous voit tous et nous fait miséricorde. Amen. Moi, parfois, je suis épatée. Des choses que je sais sur les gens et Dieu les bénit quand même. Je dis, waouh, Dieu, on a soin que c'est toi qui es Dieu. Hein? Et ça m'a appris la miséricorde. Parce que le même Dieu qui me révèle le péché de quelqu'un, est le même Dieu qui après m'amène à prier pour la personne. Et même guérit la personne. Et je dis, en tout cas, tu n'es pas un homme. Hein? Miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Miséricordieux. Il y a un chant qu'on chante. Tu vois le fond de mon cœur et ton amour nous change. Tu es extraordinaire. Ton amour nous change. Est-ce que nous voulons réfléchir sur ces choses? Nous remercions le Seigneur parce qu'il répond aux prières. Amen. Je vous avais dit au début que Dieu répond aux prières parce qu'il est bon, pas parce que nous prions. Parce que nous pouvons prier sans qu'il réponde. Je vous ai parlé de ce serviteur de Dieu qui, avant de se convertir, lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Ils avaient tout fait pour avoir un enfant, ils n'en avaient pas. Donc ils sont allés voir des gens dans un village reculé. C'est toujours dans les villages que ces choses se passent. Mais bon, maintenant à Paris, c'est dans certains quartiers de Paris. Dans certains quartiers de Paris. Mais ils sont allés voir des gens dans un village, quelque part, qui avaient la réputation de donner des enfants. Surtout que le diable ne vous donne pas d'enfants. De donner des enfants. Donc, ils y sont allés et ces gens devaient, ce qu'ils faisaient, qu'ils chantaient, ils faisaient des incantations jusqu'à ce que leur Dieu se manifeste. Et ils sautaient dans tous les sens, mais ils dansaient, ils se déchaînaient devant leur divinité. Au bout de quelques heures, leur divinité se manifestait. Quelques heures. Imaginez si Dieu devait faire ça. On vient à l'église, il faut louer de 5 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir pour que le Saint-Esprit se manifeste. Quand il viendra, il n'y aura plus personne. Vous plaisantez? En loue une heure, les gens déconnectent. Oui, mais bon, c'est long. Hein? Soyez délivrés de ça. Amen. Que la louange ne vous paraisse plus longue. Oui, mais c'est pas trop mon style. Qu'importe. Je disais dimanche, j'ai été dans tellement de pays du monde. À chaque fois que j'arrivais quelque part, je cherchais une église. Et souvent, ce n'était pas mon style. Mais ils étaient chrétiens. Ils aimaient Jésus et j'aimais Jésus. Donc, on va chanter tous. Je ne comprends pas la langue, mais ce n'est pas grave. On va suivre. On aime Jésus. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Dansez. Levez les mains. On lève les mains. Asseyez-vous. On aime le Seigneur. C'est tout. On n'est pas difficile. C'est à Jésus qui ne chante, pas à moi. Et ce serviteur disait, ils ont chanté toute la matinée, tout l'après-midi. Et donc finalement, leur divinité s'est manifestée, ils ont fait leur rituel, mais ça n'a pas marché pour eux. Et il a dit, heureusement, après quand ils se sont convertis, les plus grands spécialistes au Royaume-Uni ont tout fait. et leur médecin leur disait que personne d'autre, si lui ne pouvait pas les aider, personne ne pouvait les aider. Il a dit qu'un jour, ils étaient à l'hôpital, il s'est rappelé cet incident, où ils étaient allés voir ces gens pour demander un enfant, et comment ces gens ont loué leur divinité. C'est dire. Et sinon, on se mettait à louer Dieu, comme ça. Donc, quand sa femme est sortie, ils ont dit, on va louer le Seigneur maintenant. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Dieu leur a donné beaucoup d'enfants. Pas un seul, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Il est notre aide. Il répond aux prières. 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 À cause de sa bonté. À cause de sa miséricorde. Parce qu'il nous a fait une promesse. Et il honore sa promesse. Quel que soit, ne décrochez jamais. Jamais. Quelle que soit la durée de la difficulté, tant que vous êtes en vie, qu'est-ce que vous gagnez à décrocher? La tristesse et la dépression. Qu'est-ce que vous gagnez à rester accroché? La foi et la joie. Alléluia. Les gens se demandent, oui, mais vous pensez vraiment que vous allez? Je sais. Je sais. Oui, mais moi, je ne comprends pas ce genre de foi. Moi, si, je comprends. Je sais. Arrêtons de vivre nos vies sous le regard des autres. Oui, mais j'en parle plus parce qu'après, les gens croient. C'est les gens qui vous ont créé? Nous allons faire plaisir à celui qui nous a créés. Amen. Qui nous a dit de ne pas abandonner notre foi. Amen. Nous allons continuer à croire, à prier, à tenir ferme. Amen. Mieux vaut mourir dans la foi que de vivre dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu répond aux prières. Amen. Dieu répond aux prières. Vous avez entendu le témoignage de Gloria. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Et pour cela, nous le remercions. Et c'est pour ça que dans Philippiens, il nous a dit de ne pas nous inquiéter, hein, mais de présenter nos requêtes à Dieu. Et la première chose qu'il nous donne, c'est la paix. Avant la réponse à la prière, il nous donne la paix. Donc quelqu'un reçoit sa paix ce matin. Quelqu'un reçoit sa paix ce matin. Je vous ai dit que nous voulons que Dieu crée en nous un cœur de reconnaissance. Et je crois qu'au fur et à mesure que j'ai évoqué ces différentes raisons pour lesquelles nous remercions Dieu, quelque chose est en train de se passer dans votre cœur. Quelqu'un a déjà cessé de dire, oui, mais Seigneur, mais vraiment, si tu ne fais rien cette année, Dieu a déjà fait. Amen. Dites à quelqu'un, Dieu a déjà fait. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans l'absolu, Dieu a déjà fait tout ce qu'il va faire? Mais plus encore, Dieu a déjà fait tout ce dont nous avons besoin. Amen. Déjà accompli. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous vivons déjà est infiniment plus glorieux que ce que nous ne vivons pas encore. Amen. Le salut dans lequel nous vivons, la communion du Saint-Esprit dans laquelle nous vivons, est infiniment plus glorieux que l'épouse que vous attendez. Est-ce que vous le savez? Que la communion du Saint-Esprit est meilleure que le mariage. Amen. Donc, vous attendez une épouse, mais vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous êtes déjà l'époux de Christ. L'épouse de Christ. Amen. Donc, votre vie doit refléter la grandeur du Dieu qui est en vous. Amen. Votre joie doit être débordante. Amen. Parce que si une épouse peut vous rendre heureux et Dieu ne peut pas vous rendre heureux, vous avez des problèmes. Si votre bonheur dépend d'un être humain et pas du Saint-Esprit, votre vie va être compliquée. Je vous le garantis. Dieu vous donnera l'épouse que vous cherchez. Mais si vous l'attendez pour être heureux, vous avez hypothéqué votre destinée. Parce que Satan va utiliser cette personne pour vous rendre malheureuse. Parce qu'il sait que c'est là où est votre bonheur. Et il va tout faire pour attaquer cette chose que vous attendez pour être bien. Mais sachez ceci, votre communion avec le Saint-Esprit, personne ne peut y toucher. Amen. Alléluia. Amen. si vous vivez la plénitude du Saint-Esprit, vous avez un bonheur qu'aucun être humain ne peut vous procurer. Amen. Et aucun être humain ne peut vous enlever. Amen. Vous dites, oui, je suis triste parce que mon mari est mauvais. Non, vous êtes triste parce que vous êtes triste. Le plus mauvais des maris ne peut enlever la joie du Saint-Esprit. Parce que la joie du Saint-Esprit n'est pas fonction de la bonté du mari, mais de la bonté du Père. Amen. Et la bonté de Dieu est éternelle. Amen. Nous allons commencer à vivre de manière surnaturelle. Amen. Sans parler de ceux qui sont malheureux, parce qu'il n'y a pas de mari. Zabaragadé. Une fois, je conseillais une amie à ne pas divorcer. Elle m'a dit, oui, oui, toi tu es bien comme ça, et tu me dis, moi, de ne pas divorcer. Les gens sont terribles, hein. Les gens sont terribles, hein? Oui, 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 oui. Et moi, je dois rester là-dedans. Alléluia. Quelqu'un va choisir de valoriser le Dieu qui est en lui. Amen. De valoriser la communion du Saint-Esprit qu'il a reçue. Amen. De développer son intimité avec le Père. Amen. De le remercier en continu. Amen. Alléluia. C'est le meilleur moyen de ne pas finir par épouser un voyou. Si vous êtes trop désespérée et trop malheureuse, vous allez finir entre les bras d'un voyou qui va venir à l'église avec une grosse Bible. Qui va donner un témoignage larmoyant de comment Dieu l'a touché. Qui va être le premier à lever les mains. Là où les frères convertis sont encore assis, et on vous dit, oui, mais attention, parce que, non, mais pasteur, c'est quoi 2 semaines après le mariage, tu as des bleus. Ce ne sera pas votre témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que vous allez trouver votre satisfaction en Dieu. Amen. Vous allez aimer votre Dieu. Amen. Et vous allez le laisser avoir son mot à dire. Amen. Vous allez le laisser choisir un gentleman. Amen. Et pas un voyou. Gloire à Dieu. Il y a une fille qui disait, mais je ne sais pas pourquoi, je suis plus attirée vers les garçons qui sont un peu voyous. Ah! Une deliverance. Alléluia. Vous êtes en atout pour votre entourage. Quand vous êtes reconnaissant envers Dieu et que vous êtes rempli de Dieu, vous êtes en atout. Dans votre famille, vous êtes en atout. Dans votre mariage, vous êtes en atout. Les gens sont en train de paniquer. Eh oui, qu'est-ce qui va se passer? Vous arrivez avec la sérénité que Dieu donne. Vous dites, non, on va prier. Mais c'est tout juste ce que tu dis, on va prier. Non, ça va aller. Et vous allez prier. Et Dieu intervient parce qu'il répond aux prières. Quelqu'un va remercier le Seigneur. Amen. Quelle sécurité nous avons à cause de lui. What a friend we have in Jesus. Alléluia. Et on voit les nouveaux convertis, on voit les jeunes chrétiens, on les voit. C'est quoi ce chant? Alléluia! Et vous savez, je vais vous donner la 15e raison pour laquelle nous remercions le Seigneur. Vous ne savez pas que j'avais donné autant. Hein? La 15e raison pour laquelle nous remercions le Seigneur. Vous voulez savoir? Nous le remercions pour tout. Alléluia. Pour tout. Éphésiens 5, verset 19, nous dit ceci. « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez-le de tout votre cœur. Célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Au verset 20, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Ok, je vais le redire. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le remercions pour tout. Nous le remercions pour tout. Nous le remercions pour tout. Et nous le remercions en toutes circonstances. Ça, c'est la leçon de Colossiens 3. Notez cette référence, s'il vous plaît. Colossiens 3, du verset 15 au verset 17. Il nous a dit ceci, soyez reconnaissants et soyez... Alléluia! C'est mon collègue, en fait. Ça va, cher collègue? Il me dit, oui, cher collègue. Alléluia! Quand on envoie le feu, la relève est assurée. On peut facilement dire, cher collègue. Alléluia! Soyez reconnaissants. Il nous a dit texte dans la parole de Dieu et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Nous exprimons par lui notre reconnaissance à Dieu le Père. Donc vous comprenez que nous parlons souvent dans l'Église des actions de grâce, où nous disons merci Seigneur, mais ce n'est pas simplement des actions de grâce, c'est la reconnaissance. C'est que nous devons avoir des cœurs, la reconnaissance est dans le cœur, la gratitude, que je le sens à l'intérieur de moi. Ce n'est pas simplement que je le dis, c'est que je le ressens et je le vis. C'est une réalité. Quand je dis merci Seigneur, je ne dis pas juste merci Seigneur, je suis reconnaissant. Vous me suivez? Et c'est ça ce que Dieu veut faire en nous. Et je crois que c'est ça ce que Dieu a déjà commencé à faire dans le cœur de quelqu'un cet après-midi. La reconnaissance est en train de jaillir. Où nous sommes vraiment conscients du fait que Dieu nous a aidés. Dieu nous a aimés. Dieu s'est occupé de nous. Dieu ne nous doit rien. Il n'est pas débiteur et il n'est pas fautif. Il n'a pas été injuste envers nous. Vous pouvez dire oui, mais après toutes ces années, regarde comment je suis. Dieu ne t'a pas grugé. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es dans cet état, ce n'est pas la méchanceté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si nous ne comprenons pas ces choses théologiquement, les expériences de la vie vont empoisonner notre expérience chrétienne. Nous faisons des déductions illogiques. Nous tirons des conclusions erronées sur la base de nos expériences et notre ressenti, parce que nous ne sommes pas pénétrés par la parole de Dieu. Je vous en supplie, prenez chacun de ces points, prenez ce message, réécoutez, listez et dites ces choses à Dieu. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Quand une voix crie derrière, oui, mais regarde ta vie, hey! Ce n'est pas Dieu qui a rendu ma vie ainsi. Sans lui, ma vie serait pire. Amen. Vous me suivez? Amen. Et si ma vie va s'améliorer, ce sera grâce à lui. Amen. Pas parce que je me suis plaint, mais parce que je l'ai remercié. Amen. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose cet après-midi? Nous allons le remercier pour absolument tout. Amen. Et en toutes circonstances. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Sa perfection l'a exonéré. Alléluia. Je vais le répéter pour quelqu'un qui vient de se réveiller. Sa perfection l'a exonéré. Amen. Quel que soit ce qui arrive, Dieu est exonéré. Amen. Sa perfection l'a exonéré. Amen. Derrière toute tragédie dans la vie d'un enfant de Dieu, vous allez voir l'ennemi de votre âme. Vous n'allez pas voir Jésus. Non. Il ne prend pas plaisir à provoquer des tragédies dans la vie de ses enfants. Quelqu'un va prendre la décision, je vais sanctifier le Seigneur. Amen. Je vais honorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. À une époque dans ma vie, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas guéri de ça? Pourquoi? Je dis, mais je sais que tu guéris, mais quand même, il ne faut pas être trop dur avec les gens. Il faut croire, il faut croire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste étendre ton doigt. Ah. Et j'étais un peu irritée. Ah. Tu peux le faire, donc fais-le. J'ai l'impression qu'il était quand même exigeant pour rien. Tu ne vois pas, les gens souffrent. Ah, ça c'est la bêtise et l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que la parole de Dieu nous dit que ses voies sont justes. Et quand vous attendez encore la guérison, mais il guérit vos détracteurs, ses voies sont justes. Quelqu'un a entendu? Amen. Je n'ai pas dit vos amis. Non. J'ai dit vos détracteurs. Amen. Ces voix sont justes. Alléluia. Ces voix sont justes. 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 Nous n'avons pas l'explication pour tout, mais ces voix sont justes. Ces voix sont justes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ces voix sont justes? Amen. Alléluia. Et donc, toute cette année, vous allez le remercier. Amen. Vous allez le remercier. Quelqu'un va voir sa communion avec Dieu se développer de façon exponentielle. Amen. Parce que Dieu aime quand nous disons ce que lui dit. Amen. Quand la parole de Dieu nous dit que Dieu est juste, c'est Dieu qui est en train de nous dire « je suis juste ». Quand Seigneur, tu es juste, tu n'es pas injuste. Oh, ça c'est bon. Voilà quelqu'un qui a compris quelque chose. Remercions le Seigneur. Nous allons le remercier pour tout.